Allez, aujourd'hui, direction Espalion, à la halte Saint-Jacques, chez Florian, que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'année dernière. Je m'étais juste arrêté pour boire une tasse de café qu'il m'avait offert, généreusement. J'ai trop hâte de le revoir et d'apprendre à le connaître. Allez, des gîtes et des gens, épisode 11, On the Road Again. Bah déjà la situation Covid et tout ça, l'enfermement c'est pas mon truc. J'aime bien voir du monde, j'aime bien. Je suis un peu globe-trotteuse en règle générale. Et donc là bah, j'ai eu envie de voir un peu le monde. Et j'ai jamais fait ça en sac à dos. Et c'était un truc qui me tenait à cœur de voyager en sac à dos. Voir si j'en étais capable, voir si mes petites gourmettes elles tenaient le coup, tout ça. Et donc ça m'a pris comme une envie de pisser un peu. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Au mois de mars, tac, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais un peu déprimée, tout ça. Et puis, je sais pas, ça m'est venu ouais, vraiment dans la tête, quoi. Le chemin de Saint-Jacques, tiens, bon, ok. Et dans la semaine, je vais manger chez ma mère. Et puis, je sais plus comment j'aborde le sujet rapidement en mode, oh, peut-être, je sais pas, peut-être j'aimerais bien aller voir le chemin de Saint-Jacques. Et puis, elle me dit, oh, j'ai un bouquin pour toi. Alors, elle me sort un bouquin. Hyper catho en plus avec des trucs de la Bible et tout, et moi bon, j'ai été éduquée là-dedans et du coup j'ai eu un peu de mal à force. Maintenant ça va, il n'y a pas de problème, mais j'ai eu un peu de mal dans la jeunesse parce que c'était très très fermé, et moi je suis plutôt dans la liberté de la vie, tout ça, dans l'ouverture. Et donc bon, je me dis je le prends quand même, et finalement je l'ai lu en une semaine. Et c'était un gars qui racontait son parcours et comment il avait trouvé sa petite voix intérieure et son individualité, on va dire. Et je me suis dit, bah, c'est ça qu'il me faut dans ma vie en ce moment, c'est ça qui me manque, c'est d'être toute seule un peu avec moi-même, ce que j'ai jamais fait encore. Après, j'imagine, j'espère, une sorte de révélation intérieure ou d'ouverture, ou je sais, mais je sais pas vraiment en fait. J'attends rien tout en étant ouverte à ce que je trouverai, on va dire ça. Et bah jusqu'à présent, je fais des rencontres super cool. Les gens sont tous adorables. On oublie la situation sanitaire et ça, c'est génial aussi.
et puis le ouais, voir la nature et franchement même les intempéries parce que bon, j'ai attrapé des engelures sur l'Aubrac tellement il faisait froid et tellement il pleuvait et puis j'ai mal aux pieds puis mais en fait je m'en fous et genre même quand je marchais les pieds dans la flotte parce que les chemins c'était la rivière et ben j'étais mort de rire et je trouvais ça trop bien. Alors je sais pas, peut-être je suis un brin folle mais je trouve ça trop cool. Il faut souffrir pour aller au devant des belles choses et bah ok ça me va. Du coup, Florian, donc à Saint-Jacques-Espalion. J'ai fait des études d'expertise comptable. J'en ai eu complètement marre. Et je me trouvais à un moment où il fallait que je voie autre chose. Donc je suis parti un an faire un service européen d'un an. Un peu comme un service civique, mais en Espagne. Ma co-volontaire de projet avait fait le chemin de Saint-Jacques. Donc elle m'en a tellement parlé que je suis allé faire le chemin en 2015. De là, je suis revenu ici. Où j'ai travaillé avec un enfant de situation de handicap au collège. À la fin de son brevet, j'avais toujours au fond de l'esprit de le chemin, m'occuper des pèlerins, tout ça. Et au final, ben, les choses sont ainsi faites que sur le chemin, ben, y a des signes. Et il y avait deux gîtes en vente sur le village. Donc au final, le premier gîte, ça s'est pas fait. Et le deuxième, ici, on a réussi à l'avoir. Et maintenant, ben, ça fait du coup la 4e saison qu'on s'occupe des pèlerins. Puis voilà. Ben, du coup, on est dans une maison de ville à Espalion, juste à côté du Pont Vieux. Village magnifique sur la vallée du Lot. Voilà, on y est bien. Cette maison nous permet d'accueillir jusqu'à 18 pèlerins avec des petites chambres, avec des peintures qui ont été faites par l'ancienne propriétaire qui sont juste magnifiques. On a la chance d'avoir pu rénover au-dessus et de pouvoir y vivre. On a une petite fille qui a 15 mois, ça y est, on a nos chambres, on a nos petits trucs chez nous. Et d'avoir ça juste au-dessus du gîte, c'est génial. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ben, beaucoup de rencontres. Chaque soir, on ne se ressemble jamais. Il y a, on va dire, 95% de gens mais adorables, enfin, avec des cœurs comme ça. Oui, il y a 5% de gens qui réservent et qui ne viennent pas et pour qui on prépare le repas et ça nous fout pas mal les boules. Mais sinon, dans l'ensemble, accueillir des gens, partager un repas avec eux, être à leur écoute. C'est vrai qu'on a 10 000 métiers. On n'est pas que accueillant, restaurateur, on est office du tourisme, on est géologue, on est couturier, on est docteur. Enfin, c'est vraiment un métier qui... C'est même pas un métier. Moi, je dirais plutôt qu'ici, c'est ma mission. Voilà. C'est très, très prenant. Le 7 jours sur 7 est très, très, très crevant. Mais quand je me rappelle d'un petit bout de 5-6 ans qui arrive et qui te dit « Monsieur, c'est génial ici !» Moi, je te fous comme ça. Et franchement, c'est pour ça qu'on est là, quoi. Il faut qu'on arrive à en vivre. Il faut qu'on paye les charges, tout. Il faut que voilà, mais il faut aussi pas laisser quelqu'un sur le chemin. La semaine dernière, beaucoup de gîtes étaient pleins. Beaucoup de campeurs cherchaient désespérément partout. Et je t'avoue qu'il y a des soirs, c'était un peu compliqué à accueillir tout le monde. Et refuser des gens, c'est compliqué aussi. Mais
ouais, faut être à l'écoute des besoins des gens. Faut aussi laisser une place pour notre famille. Et c'est important à certaines heures de pouvoir couper le téléphone, de pouvoir souffler un peu. Si on veut tenir toute la saison et avoir toujours la même énergie, le même amour et le même envie d'accueil avec les gens. Les gens, on les croise un soir, c'est éphémère, c'est puissant des fois. Quand certains nous envoient des petits souvenirs comme quoi ils sont allés plus loin et tout ça, mais c'est franchement cool. C'est vrai qu'on accueille beaucoup de monde, chaque soir c'est jamais pareil. C'est le plus dur, c'est de se dire « Ah ben demain, moi je peux pas aller marcher. » Mais c'est pas grave, il y en a d'autres qui arrivent. Mais du coup, j'avais prévu, comme beaucoup, de partir de Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais comme c'est le chemin qui décide, je l'ai vite vu. Covoiturage m'avait posé deux étapes au-dessus, à Ostabat, là où les trois chemins français se rencontrent. Et de là, je suis parti pour me faire 10 jours, 15 jours. Et au final, je suis resté plus d'un mois dessus. Je suis allé presque jusqu'au bout et je suis allé le finir à l'automne suivant. Et ouais, le chemin qu'on lui laisse guider nos pas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et après, ben, j'ai fait d'autres petits bouts, 15 jours sur le côtier. En Espagne, on m'a dit, mais t'es fou, t'as pas fait le chemin chez toi, l'Aubrac, c'est un des coins les plus beaux. Bah, l'année d'après, avec ma compagne, on est allé faire un petit bout ici, puis un autre petit bout, et puis maintenant c'est le chemin, puis c'est nous. Enfin, je fais partie d'une famille catholique, mais je n'étais plus du tout pratiquant ni rien. Et personne n'est sur le chemin par hasard, et on sent des choses. Une fois, je montais le Alto del Perdón, j'étais fatigué, mais je l'ai monté en chantant, comme si je sentais quelque chose me pousser derrière. Et au moment où je suis arrivé en haut, il y a un vélo qui était en train de se casser la gueule. Et c'est puis à ce moment-là que j'ai pu le rattraper. Des choses comme ça, une cheville complètement en vrac. Bah, une autre pèlerine me fait « Vas-y, on se baigne dans l'eau. » Elle devait être à 4-5 degrés. Je suis ressorti de là, plus aucun mal à la cheville. Quoi. C'est plein de choses comme ça. Bah, des échanges, de la fraternité, du partage, de l'écoute, du vrai. Quoi. Il y a toujours deux sentiments, il y a toujours le stress et l'envie. Ben, il faut toujours combattre le stress et partir parce qu'une fois qu'on est dessus, c'est un chemin. Si j'avais attendu ma retraite comme certains pourraient aller dessus, je serais déçu. Parce que c'est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pas peu de le dire, c'est qu'on retrouve de la solidarité, on retrouve de l'écoute, on retrouve du partage, on est des personnes. On n'est plus notre métier, on n'est plus notre compte en banque, on n'est plus nos habits. Et je retrouve nulle part ailleurs. Et c'est tellement magique que voilà, c'est ouf, voilà. Je crois qu'il y a des choses au-dessus de nous. On peut dire Dieu, on peut dire la spiritualité, on peut dire ce qu'on veut. Mais il y a des choses au-dessus de nous. Et je suis toujours positif. Et je crois toujours que les choses qui arrivent, arriveront, qu'il y a des signes, qu'il y a des choses qui nous portent, qu'il y a des difficultés. Ce que je changerais, c'est de pouvoir plus être à l'écoute de notre planète, d'être à l'écoute des gens, d'être à l'écoute de ce qui se passe, d'arrêter de se tirer les uns sur les autres, d'arrêter. Mais après, l'être humain est ainsi fait. Ben, qu'il est entaché de saleté et que de toute manière, voilà, le pardon aussi, l'amour. Parce que si on n'a pas ces choses-là, ben, on n'avance pas de toute manière. Et si les gens avancent sur le chemin, c'est parce qu'ils arrivent à avoir ces choses-là. Plusieurs passions, le théâtre, l'improvisation, l'accordéon, le chant gospel aussi. Voilà, et puis du coup, depuis mes 9 ans, donc ça fait quelques années, et c'est vrai que bah, c'est quelque chose qui nous permet tellement d'animer, donner du bonheur aux gens, de leur rappeler les balles, leur jeunesse, voilà.
Motis. Oh, bleu. Raconte-moi ta plus belle expérience de vie. Ma plus belle expérience de vie, c'était le 23 février 2020. Juste avant le Covid, juste avant ce monde de tut, à 6h32 du matin, ma petite fille est venue au monde. Et franchement, on a beau dire des choses qui nous rendent heureuses dans la vie, devenir père et voir naître un petit bout, la voir grandir. Le confinement, on a passé 3 mois avec elle, mais 3 mois exceptionnels que si on avait travaillé, jamais on aurait eu le temps de vivre avec elle. Enfin, tous les matins, c'est des sourires, c'est des bisous, c'est de l'affection, c'est waouh. Bah, pour moi, que ce soit un père ou une mère, on a un peu les mêmes rôles, il faut qu'on les partage. Ici, le fait d'avoir la maison sur le gîte, c'est exceptionnel parce que au moment du dessert, ben, je peux dire aux pèlerins, je vous laisse 5 minutes avec le thé, je vais coucher ma fille. Ben, rien que dire ça, ben, t'as tout le monde autour de la table qui fait ah, et tout le monde se rappelle leurs enfants, leur famille, leur chez eux. Ben, le rôle du père, c'est comme celui de la mère, c'est de subvenir à ses besoins, c'est la changer, c'est la nourrir, la protéger. Lui permettre de grandir dans un monde où qu'elle puisse s'y sentir bien, lui apporter des valeurs, lui apporter de la connaissance, c'est partager, c'est transmettre, c'est aimer, c'est difficile à expliquer, rien qu'avec des mots, c'est du ressenti, quand tu l'as contre toi, qu'elle te fait un câlin, c'est des choses qui, même des soirées entre amis, même, je sais pas, même un saut en parachute, même le chemin de Saint-Jacques dans sa totalité, tu la regardes dans les yeux, c'est des étoiles qui brillent, c'est waouh. Dee da da da.